Autre chose, c'est un petit changement du layout. Je m'en fous, je dis en anglais maintenant, le layout de LinkedIn. Maintenant, c'est comme ça. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que, y a toutes les infos en haut déjà. Et puis là, on peut mettre plus de lignes. Moi, j'ai juste mis deux, trois lignes. J'ai mis deux lignes, mais je vais en mettre plus. Et ensuite, vous pouvez mettre en fait votre contenu multimédia. Donc, c'est pas mal si vous faites des présentations, des machins. Et là, j'ai un exemple de quelqu'un qui l'a fait très, très bien. Et on voit beaucoup mieux en quoi ça va être parce que moi, j'ai pas encore vraiment optimisé. Donc, elle l'a fait. Voilà. On voit ici, on peut mettre plusieurs lignes et ça, c'est des mots-clés qui impactent énormément sur la recherche de LinkedIn. Donc, choisissez vos mots-clés et mettez-en un max ici. Très important. D'accord? Et puis là, on voit, bon, il y a tous les liens de vos sites et tout ça. Et puis en bas, il y a les médias.